Nandito na kami sa Mavic na nag-swimming kami ng konti. Okay, nandito na ngayon tayo sa gitna ng island. So makikita nyo, malinaw yung tubig. Ayun, umalis na yung ang nag-swim sa atin. At ayun yung sinakyan natin bangka. Ayan. So dito, I think dito tayo kakain. Ayan. So punta tayo doon sa way na yon. Va mieux alors. Ayan, magsiswimming muna kami. Mababaw lang yung tubig kahit na nasa gitna na. Okay, bien. Pour manger. Le pied. Un peu. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Catamaran. Ayan, magbabarbecue tayo. Ayan yung barbecue nila. Okay, start na. Ayan, may mga nagsasunbathing na.
nag-cover ako nito. Kasi ang init. Ayaw kumitim noon. So yan, nakabilad. Nandito kami ngayon sa gitna ng dagat. So dito rin kami nagba-barbecue. Sineserve kami ng mga pagkain dito. Tomato mozzarella. Vas-y, les 10 fois, pour l'amour. Attention, les assiettes sont un petit peu molles. Ito yung pinaka-main dish ang barbecue and rice. And of course, may kasama siyang salad. Ito yung dessert ang crumble. Ang init guys, kaya nakatadok mong ako. Ang sarap nitong brownies nila guys, kaya nakarami ako. La bomba! T'affole pas, il y a des vagues mon amour, t'affole pas. N'aie pas peur. Tu flottes. Hé hey, Thierry, tu traverses. Ito guys, yung mga first group na tinuturuan ng paggawa ng cocktail. So, ito yung mga kailangan at yung mga tamang sukat na mga alak na ilalagay. Il y a 2 cm et 4 cm.
Les ingrédients vont tous rentrer à tour de rôle. Ça va jusqu'à la barre de Ayan na yung mga second groups naman ang tinuturo ang gumawa ng cocktail. Kasama dito ang aking husband. Voilà. On travaille sur le bar mate parce que ce que ça permet c'est éviter quand la poisson elle tombe. Et 4 centimètres. Claire Mélange, elle vous servira à goûter le cocktail avant de le shaker pour vérifier si le dosage vous convient, en sachant bien sûr qu'il n'a pas encore été dilué avec les glaçons. Donc il est ni frais ni dilué. Donc c'est juste pour l'équilibre acide-sucré. Pensez à Martini, classique cocktail créé à LA dans les années 90. Ça commence à être assez vieux, sous créateur mort il y a 2 ans. C'est un cocktail qui se boit très facilement et qui se boit normalement dans un verre à martini, d'où son nom Panza Martini, qui s'appelle aussi le Maverick Martini. Maverick Martini, exactement. Juste avant, je vous montre. Juste avant, je vous montre quand vous servez. T'as vraiment pas écouté la première fois. Quand vous servez, les amis, on se sert à côté. Donc vous pouvez le tenir comme ça ou comme ça. Donc soit on verse comme ça, soit on verse comme ça, ça vous voit. On se sert à côté, parce que si on est au-dessus, quand on veut renverser, ça tombe à côté. Alors que si on est un peu au-dessus, mais à côté, hop, ça tombe dedans. C'est évident. C'est un centilitre, on sent pas. Un centilitre. 2 centilitres. Donc, on est la moitié de ce grand côté alors. Ouais, c'est deux, trempé de côté. Quoi. Donc c'est le petit côté un peu plus. Je fais la moitié du. La vodka. C'est. Alors je le redis, c'est 4 centimes. Pour ceux qui sont un peu gourmands, on est pas en 5. Envoyez. On est très très gourmand. On est gourmand. Très très gourmand, c'est une demi-bouteille. Vas-y, téléphone. Envoyez. Voilà. Oh là là, il est gourmand. Passion, c'est 6 centilitres. C'est vraiment ce qui va apporter la douceur, le côté exotique. On a presque l'impression d'être sur l'île. L'île du Panza Martini. Pour ceux qui sont sur Instagram, si vous cherchez les recettes cocktail, j'en publie régulièrement, c'est monsieur.pme. Alors, maintenant vous êtes la petite shaker et légèrement mélangée. Posez une goutte après sur le dos de la main et on goûte. Et là on va voir si le niveau acide sucré. Très léger, il remue comme une brute. Alors, souriez. A savoir, c'est pas encore dilué, hein. C'est puissant. C'est pas grand. Souriez. Vous voyez pour la photo. Petit côté rempli à moitié glaçon. On met le gros côté au-dessus. On met un coup. On le tire en main, une main dessous, une main dessus. Alors vraiment ce qui est important c'est d'être des à-coups parce qu'il faut que les glaçons ils remuent bien pour qu'il y ait une petite mousse sur le dessus. On vient bien shaker, 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 shaker. Au moment où les mains commencent à être gelées et qu'on voit un petit peu de givre, ici il y a un endroit où c'est un peu séparé, on tape, on soulève, on verse tout dans le verre devant vous. Le classique Panza Martini, je le dis quand même parce que c'est plus en fait. Je vais prendre une autre ici.
Alors on attend que tout le monde, bien sûr, pour shaker, il est servi parce qu'on va mettre des coups dans la tête des gens. On peut le retourner, le gros bleu. Merci les amis. Merci à vous. Merci à vous. Okay, malapit na yata kami. Ayan, natapos na yung isang buong araw nating paglalakbay sakay nitong katamara. Ito po si Stella Desclavel. Bye bye! Bisu bisu! Adiento! Wow!